What's up, c'est que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, on va se faire un émum pompe, cette fois-ci, pompe serrée, d'accord? Ça veut dire, soit on fait, hop, pompe serrée, si tu veux faire tes pompes diamants ou tu mets tes mains comme ça, hop, tu peux le faire, mais moi, je vais mettre mes mains serrées comme ça pour pas trop niquer mes poignets, parce que pompe diamant, ça me fait beaucoup plus mal aux poignets que les simples pompes serrées, d'accord? T'es pas obligé de coller tes mains, ok? Hop, tu mets les mains suffisamment serrées, c'est bon, c'est suffisant. On travaille différemment et ça fait du bien. Ça va faire mal, ça va être dur. Si t'as pas l'habitude, tu sens que c'est chaud, et ben ça va être chaud, d'accord? Mais tu vas tenir jusqu'à la fin quand même, parce que t'es avec moi. On va se faire 10 minutes, 10 tours, comme la vidéo pompe classique, et ça va bien se passer. Hop, je commence à mettre le temps. Comme tu le sais, j'espère que t'as préparé ta bouteille d'eau et tout ce qu'il faut. Et moi, je tiens à dire que cette vidéo, je la fais juste après la première vidéo pompe. Donc, si je suis fatigué, c'est que c'est normal, mais je vais assumer. Allons, on y va. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Je ne l'ai pas précisé, hein. Mais je reprécise, on a 10 tours, on a une minute pour faire 10 pompes, le reste c'est ton repos, après on enchaîne, d'accord? 10 fois, ok? Ça va bien se passer, sinon j'espère que tu vas bien. Bah moi je vais te raconter ma journée hein, suite à la première vidéo. Il y a un fait spécial. Journée très passionnante, j'ai un fait spécial. J'ai réfléchi un peu à mes objectifs, à ce que je voulais faire de cette semaine, du mois, de la fin d'année, du contenu que je vais faire sur la chaîne YouTube, mais aussi des objectifs personnels. Et j'ai vu que j'avais encore beaucoup de travail à faire, à proposer, mais ça a bien se passé. Deux, une, on repart. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Je tiens à préciser un truc encore. Si je vais plus vite que toi, si tu galères, c'est pas grave, d'accord? Si tu sens que je suis plus rapide et tout, ne culpabilise pas. Le plus important, c'est que tu arrives à la fin. Le plus important, c'est que tu finis, tu prends ton temps de repos et après tu repars. Ça, c'est le plus important. C'est pas que je vais plus vite que toi, c'est pas que j'ai plus vite que toi, c'est pas que tu as plus vite que moi. Le plus important, c'est que tu tiennes les 10 tours, d'accord? C'est comme ça qu'on va loin. Oh. Pour revenir à ce que je disais, ouais, je réfléchis à les prompts que je vais faire et comment je vais faire pour avancer, continuer à grimper sur YouTube. Parce que c'est pas facile. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Parce que, comme j'ai dit en première vidéo, tu vois, YouTube, ça, je dirais pas que ça paye bien à mon niveau, mais ça me permet de faire quelques investissements, tu vois, prendre des lumières. Bon, ça coûte assez cher, c'est-à-dire que j'ai dû mettre un peu de sous YouTube et mettre des sous personnels pour acheter ça. Aussi, juste à mon travail en vidéo. Donc, on va dire que ça m'aide, mais ça me permet pas de financer entièrement des choses, tu vois. Et ça, c'est chiant. Mais je sais qu'en travaillant dur, en continuant à bosser, je pourrais financer plein de choses de YouTube et faire du meilleur contenu. Mais pour l'instant, on fait étape par étape. Allez, 3, 2, 1, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouh. Là, on est au round 4. J'espère que ça va pour toi. J'espère que c'est pas trop dur. J'espère que tu te sens bien. Normalement, oui. J'ai pas précisé, hein, mais normalement, je compte faire une vidéo sur ça. Sur les échauffements. Échauffe-toi bien. Parce que moi, je pars en live. Je fais directement mes vidéos pompes. Mais échauffe-toi bien. Je pense que je ferai une vidéo échauffement. Articulation, tu vois. Coude. Poignet. Épaule, c'est important. Parce que là, tu peux vite te blesser, tu peux te faire mal et c'est pas ce qu'on veut.
Moi, ce que je veux, c'est la détermination, la rage, c'est important. 5, 4, 3, 2, 1, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, très bien. Pour l'instant, ça va, je suis un peu comme dans la première vidéo, dans le sens où je fais mes pompes en 10-12 secondes. Et je suis constant par rapport à ça. Cette vidéo, je sais pas si je la ferai en 20 secondes. Enfin, en 20 secondes, en 20 pompes. On verra. Peut-être que la première vidéo, je la ferai avec 30 secondes. 30 secondes, 30 secondes de pompe, 30 secondes de repos. Là, ça va être différent. Parce que là, tu vas me voir dans un état où je vais pas parler. Je vais pas sourire, je vais pas rigoler, là, je serai focus. Mais bon, je me dis, j'ai peur de faire un entraînement comme ça où je suis trop énervé, trop focus. Parce que j'ai mal parlé. 4, 3, 2, 1, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le problème avec les entraînements où je suis focus, où je suis trop focus, c'est que si par exemple je fais un 30 secondes de pompe et 30 secondes de repos, enfin 30 secondes de pompe et le reste c'est le repos, et ben si t'as pas le niveau et que t'es quelqu'un qui abandonne vite, t'es quelqu'un qui a pas trop de fierté et d'ego, ça peut te décourager, tu vois. Et moi je suis pas là, enfin j'ai du mal à dire vas-y, je prends les meilleurs en avance et les ceux qui ont du mal, je les laisse, tu vois. Et cette vidéo, ben, elle aura ce thème-là, indirectement. Parce que je pourrais pas te dire, vas-y, viens, je te relève, on y va. Malheureusement. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Tandis que là, tu vois, j'ai fini, si t'as du mal, je peux te dire, vas-y, bats-toi, il te reste 43 secondes, vas-y. Tu vois, tu peux le faire encore. Tu peux. Il reste un peu plus de 30 secondes, d'accord? Tu peux y aller, tu peux te motiver. Fais une petite pause, mets ton ventre sur le sol. Il reste 25 secondes. Tu peux faire tes pompes, tu vois. Là, je peux t'encourager. Mais si t'as 30 secondes, c'est du marche ou crève, malheureusement. C'est sûr que même moi, je vais avoir du mal. Même moi, je vais pas pouvoir assumer. C'est possible, ça peut être intéressant de voir, tu vois. Mais voilà, je vais voir. Encore une fois, ça va dépendre des commentaires. Ceux qui ne font des programmes entièrement, je vais me référer à eux. 5, 4, 3, 2, 1, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Demain, j'arrive en formation. Je serai éclaté. Parce que je te tourne cette vidéo. Il est quoi? Il est. Il va être minuit. Sachant que normalement, je dors à 23h. Et j'aurai pas beaucoup de temps de sommeil. Mais le plus important, c'est que on s'entraîne ensemble et je peux te proposer du contenu. Ouh. Parce que là, après ces vidéos, je peux te dire que tu vas en voir. Tu vas en voir des projets. Tu vas en voir. C'est important. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est presque fini. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouh. Est-ce qu'on sait dur? Mais c'est ça qui est bon. Je vais boire un peu. Si c'est pas dur, c'est que ça travaille pas. D'accord? C'est que ça travaille pas. On reste focus. On reste concentré. Tu bois ton eau ou ta BCA, peu importe. D'accord? Ah. Et tu me regardes moi. Tu me regardes moi, tu dis bon. Dès qu'il donne le top, je pars, j'assume, c'est important. Allez, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est la dernière qui reste. Après ça. Ok? Donc, on assume. Ok? On assume. On reste jusqu'au bout. Je sais que c'est dur. Je sais que ça fait mal. Je sais que si t'as pas l'habitude, c'est chaud. Mais c'est important. D'accord? On est là pour ça. On est là pour progresser. On est là pour évoluer. On est là pour aller loin. Ok? Donc, on fait les choses bien. C'est important. Allez. Oh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouh. Ok. Donc voilà pour cette séance. Si t'as pas fini, finis tranquillement. Finis tes pompes. C'est important. En tout cas, si t'es arrivé jusqu'à là, je suis fier de toi. T'es allé au bout. T'as fait les choses bien. C'est important. Tu peux boire ton eau, ta BCA. Faire ton entraînement ou faire autre chose. Parce que la séance, elle est faite. Ok? Si t'aimes ce programme, si t'aimes ce genre de programme, mets un j'aime. C'est important. Mets un commentaire aussi. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. T'as le code d'âme sur MyProtein si tu veux te faire plaisir, mais aussi soutenir la chaîne. Et très important, il faut passer par le lien qui est dans la description, qui est dans ma bio. Et là, on est bien. Ok? Bon, moi sur ce, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.